Salut, c'est pas souvent que je fais une vidéo sur un module en particulier, en tout cas pas pour en faire une pub éhontée, mais je vais faire une exception, c'est rare, mais je fais ça parfois quand je suis vraiment très enthousiaste. Et c'est le cas avec ce Music Thing Modular Mini Drive que j'ai trouvé pour une croûte de pain il y a quelques jours. Alors je vais pas passer des heures à vous expliquer comment il marche, parce que, bon, en gros, il a qu'un bouton, et pas d'entrée CV, mais... Oh, il sonne super bien et je vais vous faire écouter comment il sonne. Et pourquoi maintenant, si ce n'est parce que je viens de l'acheter et que j'en suis ravi? Eh bien aussi parce que vous avez peut-être remarqué que j'ai publié une vidéo qui a pas grand-chose à voir avec ce que je fais d'habitude, qui est un morceau du chanteur Senso pour qui je joue du clavier. Et en mixant ce morceau de Senso, j'ai utilisé la mini drive sur plusieurs pistes et je vais vous faire écouter comment ça sonne dans une minute, après vous avoir fait écouter en vitesse comment ça sonne sur des modules. J'ai choisi comme source sonore le What the Fuck Oscillator de Dove Audio, qui est déjà un super oscillateur en soi, avec des sonorités vraiment intéressantes. C'est un oscillateur à table d'ondes, plutôt lo-fi. Et je vous fais d'abord écouter le son sec, donc directement, sans la disto. Donc là, j'ai mis un petit LFO pour animer la table d'ondes, qu'il se passe un peu quelque chose. Et ça, c'est le son tel qu'il sort de l'oscillateur. Maintenant, on va le passer dans le mini drive. Pouf! Et là, ça change pas grand-chose parce que j'ai mis le drive au minimum. Je vais l'augmenter progressivement. Et donc, c'est une disto, j'aurais peut-être dû commencer par ça, de type overdrive, comme son nom l'indique, et qui est très progressive et assez douce dans son action, en tout cas au début. Et donc ce que j'aime bien, c'est qu'en augmentant l'intensité de la disto, on balaye différentes harmoniques, on fait ressortir différentes harmoniques. Je vais jouer un petit peu là, dans des réglages intermédiaires, pas encore trop extrêmes. Bref, je trouve ça très beau et... Si vous entendez des pas, ils viennent pas de la disto, c'est le what the fuck qui a une assez basse résolution. C'est comme, malgré tout un super module et d'ailleurs j'en ai écrit une review dans un site web en anglais, je mettrai un lien en description, vous dire tout ce que j'en pense. On va s'écouter la disto sur un sinus. Vous voyez comme c'est plutôt doux et très progressif. Ouais. Moi je trouve ça magnifique. Le morceau qu'on va écouter maintenant, si vous voulez l'écouter en entier, je vous mets un lien ici au-dessus, ou là, je ne sais jamais, et en description. Et j'ai passé la voix dans le mini drive. Je l'ai passé plusieurs fois, j'ai fait plusieurs prises, plusieurs pistes, avec des quantités de drive différentes. Et alors, sur certaines prises, je le passais aussi après le mini-drive, dans le Morgasmatron. Et le Morgasmatron, c'est un double filtre, une paire de filtres multimode qu'on peut mettre en série ou en parallèle. Et ça m'a servi d'une espèce d'équaliseur pour rester dans le domaine analogique. Bon, j'ai rien contre les effets numériques, j'en utilise plein aussi, certainement plus que des effets analogiques en fait. Mais puisque je passais la voix dans le modulaire, je me suis dit autant aller à fond dans le délire. Hein. Et comme le morceau va en crescendo, il y a de plus en plus de disto au fur et à mesure que le morceau avance. Je commence par vous faire écouter le début. Tiens, d'abord la version sèche, telle qu'elle est arrivée du studio d'enregistrement. Et on a enregistré chez Daniel Johnson. C'était assez sympa. Voilà comment ça sonnait. Preachers talk like they were God themselves. Ok. Et avec la disto. Preachers talk like they were God themselves, heaven is cheaper. C'est marrant parce que ça sonne un petit peu comme une lampe. Alors, c'est pas une disto à lampe, enfin, ça y ressemble pas. Pour moi, ce truc, ça ressemble à une diode, une LED, et ça sonne pas comme une disto à LED, je trouve. En fait, je ne sais pas ce que c'est, mais j'adore le son. Je vous fais écouter ce passage en contexte. We just talk like... Ok, on avance dans le morceau. Je vais mettre un passage plus proche de la fin où ça va déjà plus fort. Et en fait, j'ai trouvé ce jour-là, et
peut-être que Sensu est d'accord avec moi, qui ne chantait pas très fort pour ce passage-là. Et donc l'idée de mettre de la disto au départ m'est venue de ça, de donner l'impression qu'il chantait plus fort. La prise sèche sonne comme ça. Shit is just amazing, now the head spinning, you wish you had that feeling. Preacher man, please come and take my hand, understand, understand me, I'm a superman, tell me lies, Ok, on va voir ce que ça donne. Et là, j'ai superposé plusieurs pistes de disto. En fait, j'ai gardé un petit peu du son dry parce que j'avais envie de faire un blend, un mix entre les deux, de ne pas être full disto. Mais en même temps, j'ai quand même mis beaucoup de disto. Alors, on va voir comment ça sonne. Voilà. Preacher man, please come and take my hand, understand, understand me. I'm a superman, tell me lies, no, I don't wanna die. Vous entendez peut-être qu'on entend, on entend un peu sa guitare. Parce que une disto, ça fait comme un compresseur. Ça a tendance à comprimer la dynamique et plus on distord, plus ça compresse. Et alors, en prime, j'ai encore rajouté un compresseur après, parce que je sais pas pourquoi, mais je l'ai fait. Et vous verrez dans les prise suivante, celle les plus distordues, que ça a tellement ramené tout le boucan en avant, même la batterie qu'on entendait un peu à travers la vitre, et que tout ça donne une texture très intéressante pour la fin du morceau qui est très bruyante. J'ai rajouté une deuxième piste, plus distordue et puis plus filtrée aussi, avec le morgasmatron, un effet de son un peu téléphone, que je vous fais écouter maintenant. Preacher man, please come and take my hand, understand, understand me, I'm a superman. Et qu'est-ce que j'ai fait avec cette piste? Je l'ai décalée, j'ai mis un petit délai. C'est une alternative à la reverb, ça change un peu. Donc quand on l'écoute en plus du reste, ça donne... Preacher man, please come and take my hand, understand, understand. Si vous n'entendez pas ce délai, c'est parce que vous écoutez en mono. J'ai voulu rendre ce délai large. Et donc, il y a des effets pseudo-stéréo qu'on peut appliquer... plein de manières de le faire, il y a des manières plus compatibles mono que d'autres. Celle-ci n'est pas du tout compatible mono, parce que j'ai simplement mis le son en opposition de phase, donc ce son téléphone en opposition de phase, en inversion de polarité pour être exact, entre la gauche et la droite. Donc forcément, en mono, en somme, ça s'annule. Ça m'arrange, parce qu'en mono, en général, on arrive à moins différencier les différents instruments, les différentes pistes, c'est plus confus. Et donc que cette piste délai disparaisse... Quand on écoute le mix en mono, ça ramène la voix plus en avant, ça la rend plus intelligible, c'est parfait. Je vous fais écouter la totalité en contexte maintenant. Et tiens, on va passer le mix en mono. Je vais le passer en mono pendant qu'on l'écoute. Et vous verrez, ça ramène un petit peu la voix à l'avant. Puisqu'elle est au centre, et donc dans les deux canaux, elle va ressortir en avant, et puis cet effet délai téléphone va disparaître complètement. Stéréo. Mono. Mono, stéréo. Mono. Sur ce qui sortait du mini drive là, j'ai rajouté un DSR. Le DSR, c'est un effet VSTR. On passe au dernier passage de la chanson, le plus bruyant et le plus distordu. D'abord la prise sèche. Talk about preacher. Ok, première piste de disto. Talk about preacher. I say preacher, yeah. Ça commence à ramener les bruits de la batterie, de la guitare, les bruits dans le studio un petit peu vers l'avant, mais vous n'avez encore rien entendu de ce point de vue-là. Cette prise-ci, donc je les ai stackées, hein, j'ai fait plusieurs couches, hein, j'en ai mixé plusieurs ensemble, celle-ci est déjà plus distordue. Talk about preacher. Ça, c'est toujours mon vieil effet téléphone. Et alors, pour la disto ultime, j'ai encore rajouté une couche qui est vraiment méchante. Et ça, ça ramène tout le potin en avant. J'aurais pu couper, faire du montage, essayer de mettre un gate, mais j'aimais bien la texture. Yeah. Et j'ai rajouté un délai là-dessus en plus pour être méchant. I said preacher.
Ok, donc en contexte, dans le mix, voilà ce que donnent toutes ces couches ensemble. Voilà ce qu'il y a moyen de faire avec ce super mini drive. Et alors, vous voyez, je n'ai pas vraiment utilisé le modulaire de manière modulaire. Lui, de toute façon, il n'est pas contrôlable en CV. Lui bien, mais j'ai utilisé aucun CV, aucune modulation, aucune automation. J'ai simplement utilisé ces modules comme des périphériques de studio parce qu'ils sonnent tellement bien que pourquoi pas. Mais si j'avais voulu faire une automation du Morgasmatron, par exemple, j'aurais pu utiliser, par exemple, cette interface Expert Sleeper. Enfin, ça, c'est pas une interface, c'est un convertisseur. Hein. Vous voyez, c'est un port à DAT, pas un port USB. Mais il existe une version à interface USB. Alors, elle s'appelle juste le S, pas 3, mais autre chose. Ça, c'est un convertisseur DC couplé. Donc, il peut transmettre de l'audio aussi bien que du CV. Et avec les plugins Expert Sleeper, il y a moyen de créer une automation dans le DAW et de sortir le CV d'ici pour contrôler des modules. Une alternative sinon, c'est d'automatiser en MIDI avec une interface MIDI comme celle-là. Le Kenton Pro 2000 MK2, c'est vraiment la Rolls des interfaces MIDI pour modulaires. Il y en a des plus petites en forme de module aussi. De toute façon, ici, ce n'était pas nécessaire. Sur ce morceau-ci, j'ai utilisé le mini drive sur la caisse claire, la snare drum. Hein, et j'ai pas utilisé que le mini drive, j'ai aussi utilisé le plasma drive, qui est très clair, très chaotique, très agressive, le contraire en fait du mini drive, vraiment le contraire. C'est plutôt une fuzz hein, d'ailleurs qu'une drive. Enfin, je sais pas si tous les guitaristes sont d'accord avec moi, mais en tout cas, elle est très poilue. J'ai fait deux prises avec les deux distos dans chacune, mais sur une prise, c'est essentiellement du mini drive avec un petit peu de plasma drive. Et pour l'autre prise, c'est le contraire. Et une fois, l'une était avant l'autre, et l'autre fois, l'autre était avant l'une. Et ça, je sais plus ce que j'ai fait, mais je vous fais écouter. Bon, c'est pas un mix définitif, c'est plus une balance vite fait pour voir un peu ce que ça donne. Mais je vous fais écouter d'abord l'ensemble. On va isoler la batterie, et puis la caisse claire. La batterie. Dans la batterie, on isole la caisse claire. Donc là, évidemment, c'est un blend du micro du dessus et du micro du dessous. Bon, c'est déjà compressé, traité, tout et tout. Et puis, la disto. La première disto qui est surtout du mini drive, elle donne ça. Et alors, vous entendez que j'ai mis un noise gate avant de passer dans les distos. Parce que après tout est tellement bruyant que le noise gate marche plus très bien. Donc, j'ai mis un noise gate avant de passer dans la disto. L'autre, par contre, où il y a un peu de mini drive et beaucoup de plasma drive. Et la balance micro dessus, micro dessous, la caisse claire que j'ai envoyée dans les distos n'est pas forcément la même que celle qu'on entend en sec dans le mix. En tout cas, tout ce qui est caisse claire ensemble maintenant, donc la caisse claire sèche entre guillemets, plus les distos, ça donne ça. Et là, je vais enlever les distos, les remettre pour que vous voyez la différence. Elle est subtile, mais c'est quand même plus crunch avec. On commence sans. Et maintenant, avec une tonne de réverb, et alors ignorez ce que vous voyez à l'écran parce que je viens de remplacer l'audio sur ce petit bout. Et si on écoute le tout ensemble. Voilà,
Donc c'était une petite vidéo pour vous montrer que le modulaire peut aussi servir de périphérique de studio. Et parce que j'avais vraiment envie de vous raconter comme j'étais content de mon mini drive. La prochaine fois, on refera un gros patch. Alors bon, j'aime pas tellement annoncer la vidéo suivante parce que, bon, après je suis obligé de la faire. Mais tant pis, j'essaierai ce que j'ai déjà fait quelques fois, qui est d'émuler un module assez particulier et onéreux avec des modules plus classiques qu'on a souvent tous déjà chez soi. C'est le fameux Sophia. Alors ça donne un patch assez gros, du coup c'est une grosse vidéo, du coup je sais pas quand je la ferai. Mais bon, quitte à m'engager plus que je ne le voudrais, je ne résiste pas. Alors vite, déjà vous le spoiler. Alors voilà, c'est ça le patch. Voilà, ça fait ce que fait le Sophia. Et quitte à tout spoiler, je peux déjà vous dire que non seulement ça fait ce que fait le Sophia, mais ça fait plus et ça le fait mieux. Alors ça c'est pour la prochaine fois. D'ici là, bah, faites beaucoup de bruit, vous aussi. En tout cas, je vous le souhaite.